Isaïe. L'Esprit de Dieu, comment on l'appelle aussi? L'Esprit de Dieu, comment on l'appelle aussi? L'Esprit de Dieu, comment on l'appelle aussi? L'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de Dieu, comment on l'appelle aussi? L'Éternel. Donc, il y a une petite fille, tu connais? Il y a une qui a appelé. Nous, qui nous donne vie? Dieu. C'est toi, Moïse, qui a dit. Montre que je n'ai pas envie de la voir. C'est une question d'être sûr de ce qu'on dit. Donc, on est sûr de ce qu'on dit, on le dit, et les autres, oui ou non. Bon, et le Saint-Esprit, comment on l'appelle aussi? De l'Éternel. Hein? Esprit de sagesse. Je n'entends pas. Esprit de sagesse. Non. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, oui ou non? Amen. Et comment on appelle aussi le Saint-Esprit? L'Esprit de l'Éternel. Mais si. Hein? Esaïe. L'Esprit de l'Éternel. Oui, c'est l'Esprit de l'Éternel. C'est ça. L'Esprit de Yahweh. Oui. Supplication. L'esprit de quoi? Supplication. Amen. Est-ce que vous savez où ça y est? Amen. Alors, donc vous lisez ici dans la Bible 12, verset 10, là, il y a même le soldement. Prêt d'abord. L'esprit de grâce et de supplication. Amen. Les six esprits là, c'est l'esprit de quoi? L'esprit de Dieu.
pour que tout marche comme le veut Dieu, premièrement, vous avez besoin de l'esprit de sagesse. C'est l'esprit de quoi? La sagesse, c'est quoi? Le bon comportement. Donc, premièrement, l'Esprit Saint en vous doit produire un bon comportement. Ma soeur, toi aussi tu es à l'intérieur. Vous êtes une, deux, trois. Amen. Le bon. Pour que tout marche bien, vous n'avez pas besoin de prier. Vous aurez besoin de prier, c'est vrai. Premièrement, vous avez besoin d'un bon. Pour qu'un problème soit résolu, il faut d'abord que tu te comportes bien. Pas que tu commences par régler le problème, mais d'abord tu dois régler ta marche. Et deuxièmement, tu as besoin de quoi? Tu as besoin de quoi? Pour l'intelligence. La sagesse, on a changé. Changez pour l'intelligence. Vous qui connaissez. Je te dis, si j'avais l'argent. Tu as besoin d'argent. Hein? Et sort du jeu. Au jour du malheur, réfléchis. Donc, si tu veux voir la main de Dieu devant ton problème, premièrement, règle ta conduite. Deuxièmement, réfléchis. Sœur, besoin d'argent, que ce soit pour vous, je te communique l'argent au nom de Jésus-Christ. Je te communique la bénédiction financière sous la fonction de 2 Corinthiens chapitre 6 et 6. Je suis pauvre et je m'enrichis. Puisque toi sois enrichi. Aujourd'hui. Si tu veux tout réussir, tu as besoin de quoi? T'as dit quoi faire? Normalement, lui aussi, il doit être bénéfique. Peut-être que tu n'as pas besoin de payer. Frère, tu as besoin de payer une prière. Si j'étais toi, je faisais pour ça. Comme ça, ça rentre là. Et Dieu, de moi, de cette éducation, tu as besoin d'argent. Oui, oui. Tu as besoin de beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et tu crois que parce que tu as compris ça, Dieu peut te donner l'argent. Amen. D'accord. Reçois l'argent. Sur la fonction de 2 Corinthiens, amen. Pas Acte 2, verset 2, non. Acte 2, verset 2, c'était pour la construction d'or. L'or